What's up? J'espère que tu vas bien. Pourquoi je prends cette pause? Parce qu'on va travailler la largeur des épaules aujourd'hui, ok? Prends tes haltères, prends de l'eau et on commence. Premier exercice, développé militaire aux haltères, ok? 4 fois 10 reps, tranquillement, comme ça. On va pas ramener au milieu, on va juste hop, comme ça, ok? Allez, c'est parti, on y va. Haltères sur les genoux, s'ils sont un peu lourds, et hop, hop, tu mets un petit coup de genou, tranquillement, on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, allez, six, sept, huit, neuf, et dix. Oh. Ok, je mets un petit trait. Hop. Le temps de récup. Effacer, c'est parti. Une minute de. Enfin, entre 1 minute et 1 minute 30 de repos, d'accord? Moi, si t'as l'habitude de voir mes vidéos, tu sais que je suis un fou. Et je vais partir dans 50 secondes. Parce que nous, on est des fous. D'accord? Mais non, plus sérieusement, là, si tu veux, je me suis mis une punition, tu vois. Je me suis dit, Dams, il y a ta commu qui demande des vidéos de programme. Donc, t'as pas le droit d'aller à la salle tant que tu n'auras pas fait 15 programmes. Ça veut dire que si tu vois pas 15 programmes sur cette chaîne, je vais pas en salle de sport. Je m'entraîne à la maison et je filme, je montre mes petits programmes. Parce que ça me fait du bien aussi. Bon, là, il est 50. On va continuer. Tranquillement, hop. Sur les genoux. Un coup de genou. Et un coup de genou. Et on y va. 10. 1. 2. 3. Ok. 4. Ok. 5. 6. Ok. 7. Allez. 8. Ok. 9. Et 10. Oh. Ah. Mon petit trait. Comme ça, je suis à 2. Je te jure, le truc du trait, c'est trop bien. Temps de repos. On repart à 50. On boit une gorgée. Et là, je peux raconter mes blagues. Et dire qu'au développé militaire, mon max, c'était 40. 40 ou 44, je sais plus. Mais je sais que les 40, j'ai déjà soulevé, assumé tout seul, sans assistance. Incroyable. J'ai assisté aussi un mec à la salle, il a pris les 50, il est carrément fou. Je sais que je vois des mecs qui prennent des 60 épaules. Moi, pour moi, en fait, je vais pas te mentir, c'est trop. À partir de 30, estime-toi vraiment heureux, d'accord? Même à partir de 20, hein, de 20, de 24, de 25, c'est bien. Mais au-delà, moi, je sens plus mes épaules quand c'est trop lourd. Et même en salle, quand je lève trop lourd, ben, je sens plus rien. Si tu veux, je travaille que en force. Je sens plus mon muscle travailler. Il est déjà 54, c'est incroyable. Allez, on repart. Oh. Oh. Allez, hop, hop, on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok. S'il y en a un qui regarde mes vidéos tous les jours, programme, il entend toutes mes histoires en boucle, ça doit le faire chier. Il doit dire, bon, c'est bon, la ferme. J'ai déjà entendu ça 8 fois, c'est bon, laisse-moi tranquille. C'est pourquoi je te dis ça, parce que dans les commentaires de mes programmes, enfin de mon tout premier programme que j'ai fait comme ça pour les pecs, il y a un mec qui m'a dit, je fais ton programme depuis 3 mois. C'est incroyable. Donc, tu regardes ma tête avec mes mêmes conneries pendant 3 mois. C'est un truc de fou. Je suis content. Mais toi, t'es fou. Donc, tu écoutes mes blagues et tout pendant. C'est incroyable. Mais je te remercie. Je te remercie, mon gars. D'ailleurs, merci à tous. Qui. Il est déjà 48. Non, je prends 1 minute. C'est bon. C'est bon. Merci à tous qui suivent mes programmes et qui donnent de la force. C'est très important. Et je gagne encore un peu de temps.
parce que moi ça m'aide à me surpasser encore plus, développer ma chaîne et voir où je peux aller avec ces vidéos de sport. Allez, on repart pour la dernière. Tranquillement, hop, sur les coudes. Un petit coup de genou, un petit coup de genou et on repart. Une, deux, trois, quatre, cinq, allez, six, sept, huit, neuf et dix. Ok. On prend une, deux ou trois minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Deuxième exercice, on va se faire des élévations latérales en unilatéral, ok? Tranquillement, tu prends ton haltère, tu prends appui sur le banc en bas ou au milieu et hop, 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 hop. On se fait 10 et 10, ok? Ça va faire mal, ça va être chiant, ok? Mais il faut bosser. Tu veux des grosses épaules, il faut user des techniques spéciales pour avoir des grosses épaules. Donc, tu vas faire ça, ok? C'est parti, on prend les haltères et on commence à bosser. Allez, une, 2, 3, 4, 5, ok, 6, 7, ok, 8, 9, 10, ok. Hop, 1, 2, 3, ok, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me rappelle, je parlais avec un coach. Il me disait, cet exercice-là, c'est pas pour les débutants et tout. Moi, je m'en fous. Un débutant est amené à devenir professionnel ou à être expérimenté, d'accord? Moi, je vais te donner les techniques pour que tu puisses sortir de ta zone de confort et évoluer. Et là, je te parle, j'ai même pas mis le temps. C'est incroyable. Bon, ben, comme j'ai pas mis le temps, je repars à combien? J'allais dire, je repars à 30, mais non. Je repars à 40, c'est bon. J'estime que j'ai parlé pendant 10 secondes, d'accord? Donc je repars à 40. Oh. Hey. Là par contre, là je sens que je commence à avoir mal. Je commence à être bien. Même toi, tu le vois sur à l'écran là que je suis congestionné. Moi je le vois au retour caméra, je vois que je commence à faire peur, donc c'est bien. Hey. Je suis mort. Ok, va être 40, on va repartir tranquillement. Mets-toi 50. 50 secondes, 1 minute ou 1:30. Ok, c'est parti, on y va. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, ok, 7, 8, 9 et 10. C'est que la deuxième, j'ai pas le droit d'avoir mal comme ça. Allez, c'est rien, ça, c'est rien. 1, 2, ok, 3, allez, 4, ok, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Oh, putain. 2, là je mets le temps. Ok. Oh. Oh. Ça, c'est l'exercice qui va le plus te fumer. Et si tu remarques bien dans mes programmes que je fais, l'exercice 2, il met bien quand même, tu vois, il met bien. Ouais, parce que si c'est facile du début à la fin, c'est, tu vois, on va pas rigoler. Faut qu'on rigole, faut qu'on se fasse mal. Il faut que tu aies la sensation de travailler, sinon ça sert à rien. Oh. Je voulais dire un autre truc, mais c'est long, d'accord? Et comme il est déjà 38, j'aurai pas le temps de finir. Donc je vais te le dire après si j'oublie pas. Au niveau de l'objectif de ces programmes. 50, ok. On y va, on repart tranquillement. Parce que je suis fatigué, mais je peux envoyer. 1, 2, 3, 4, ok. 5, ok. 6, allez, 7, 8. 9 et 10. Ouh. Ok. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Le petit trait. 3. Hop. Ouf. Il me reste une, tranquillement. Alors, l'objectif de ces programmes, si tu veux, c'est d'aider un maximum de personnes, d'accord? En ce moment, il y a beaucoup d'applications fitness, il y a beaucoup de programmes payants, des trucs que je fais, hein, payants. Et moi, tu vois, moi, je suis quelqu'un que je m'en tape de tout ça. Je m'en fous, je m'en tape. Donc, je fais des programmes gratuits, ça aide les gens. Si ça vole un peu le marché, ça, je m'en fous. Je m'en fous. Je veux que les gens apprennent gratuitement. Et s'ils ont envie d'aller plus loin ou de surpasser par la compétition, ils vont se orienter vers les gens pour. Mais payer pour avoir un programme 10 élévations latérales, 10 frontales, tu fais ça, t'as pas. Non, tu vois, non. Les trucs simples, on peut les donner gratuitement. On peut aider gratuitement, d'accord? Allez, super, on repart. J'ai gratté 10 secondes, on y va pour la dernière, tranquillement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, 8, 9 et 10. Oh. Je suis bien là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, ok. Petit trait. Prends 1, 2, 3 minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Dernier exercice, on va se faire des élévations latérales simples avec haltères. On va s'amuser avec ça. On a su faire tout à l'heure, mais là, on va s'amuser. 4 fois 10 reps tranquillement. C'est parti. Hop. On va le faire buste légèrement penché et on y va. 1, 2, 3, ok, 4, ok, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouf. Le petit trait tranquillement. Je te cache pas, j'ai pris un très bon temps de repos avant de repartir. Donc là, je me sens plutôt bien. Je me sens même très très bien, tu vois. Donc on va repartir à 40, 45 tranquillement. Sachant que les épaules, j'ai l'habitude de les bosser en salle, d'accord. Mettre des charges très lourdes et les faire en fin de séance, tu vois. Ça veut dire que là, mes épaules ne comprennent pas. Ils se disent, Dame, c'est la force. Et ils me sollicitent. Donc, je suis pas fatigué, tu vois. D'habitude, je les fais quand j'ai pas de force, quand j'ai plus rien. Je les fais, c'est la finition. Mais là, je suis bien, ok. Et les 40, on va repartir. Mets-toi une 30, ok. C'est parti, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, ok, 8, 9 et 10. 2, 3. Le temps de repos. Il y a une personne qui m'a dit dans les commentaires de faire des programmes en salle de sport. Que je vais avec ma caméra à la salle. Et que je filme mon vrai programme d'entraînement. Le problème, c'est que ça, c'est compliqué. D'accord? Parce que à la salle, je suis tellement focus que filmer son programme, c'est chaud. Et comme ma caméra, si tu veux, c'est une caméra, on va dire, semi-professionnelle. C'est pas une caméra où je la prends, jamais comme un téléphone, j'allume et je m'occupe de rien, tu vois. Moi, j'ai mes réglages bien spécifiques à faire. Donc, ça veut dire que pour mes réglages, je dois perdre au moins plusieurs minutes, tu vois. Sachant que comme moi, je suis un fou, je veux que mon image soit parfaite, je veux que mon image soit belle et tout. C'est compliqué. Mais, si la chaîne marche bien, d'accord,
avec les revenus de la chaîne Douche, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de revenus, mais il y a quand même du revenu, d'accord? Ces revenus marchent bien. Je me prendrai une petite caméra comme la première que j'avais, mais là où je peux être un micro dessus et je serai tranquille avec ça. Je ferai les choses bien et je vous ferai kiffer, d'accord? Mais je verrai ce que je peux faire, ok? Bon, 1 minute 15, on va repartir, on a bien gratté. Ouh! 1, 2, allez, 3, 4, ok, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le petit trait. Oh. Ouais, je te disais, je vais voir ce que je peux faire. Enfin, montrer mon vrai programme. Mais en fait, le problème aussi, c'est que voilà. Alors, tu vois, cette vidéo, c'est le confinement. Certaines salles de sport sont ouvertes, d'autres sont fermées, d'autres faut une certification, enfin, prescription médicale. C'est compliqué, pas tout le monde est en salle. Et mon but, c'est d'aider tout le monde, tu vois. Donc, les prochaines vidéos en salle, je pense que soit ce sera des vidéos avec mon frérot où on fait des séances et on rigole. Ou alors des petits tutos, des trucs. Déjà, on va parler d'échauffement, d'étirement. Donc, ça peut être intéressant. On va parler de pompe freestyle. Ça peut être intéressant aussi. Vraiment très intéressant parce que je kiffe ce contenu. Donc, février, ça sera chargé. 50, on va repartir tranquillement pour valider la séance. Ok. Oh. On y va. Hop. Large. 1, 2, 3, 4. Ok. 5. Allez. 6. 7, 8, 9 et 10. Oh. Tu prends 1, 2, 3 minutes de repos, tout dépend de toi, et tu passes soit à un programme que j'ai fait, ou bien alors tu peux te rincer, la séance est finie pour toi. Voilà pour cette séance, pour avoir des épaules larges. J'espère que tu as kiffé. Si tu as kiffé, mets un j'aime, mets un commentaire pour dire que tu as validé la séance. Fais les choses bien, d'accord? On se motive entre nous. Et comme je t'ai dit, si tu es chaud, ben, tu passes à un autre programme, d'accord? Comme ça, tu fais les choses bien. Moi, je t'ai dit au moins deux programmes, tu es bien, tu as validé une séance. Trois programmes, c'est vraiment si tu es fou, tu as passé une mauvaise journée ou tu veux en découdre avec toi-même, tu fais trois de mes programmes, d'accord? Moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais abonne-toi si c'est pas fait. C'est important, ok? Bon, peace.